Alice, je dîne pas là ce soir. Ok, j'élève mon verre pour mon ami. Ce prix que tu vois, c'est mon travail d'historien et rien d'autre. Mais bien sûr, plus grand historien, ce que la France nous a donné. C'est maman qui m'a demandé de t'appeler. Écoute, là je suis au restaurant. Elle va mourir. Ma grand-mère, je la connaissais même pas. Il reste des places, en écho. Pardon, excusez-moi monsieur, vous n'êtes pas Lilian Thiram? Qui? Ça fait combien de temps que tu n'es pas revenu au pays? Presque 30 ans. Patrick Rimard! Alors vous-même! Tu me reverrais pas? C'est moi, Zamba! Tu sais qu'on va bien s'amuser? Parce que c'est carnaval! Coudelou est de retour! Vous êtes ici chez vous? C'est vrai que cette île a pour tradition d'accueillir les Noirs avec ferveur. Maman nous attend. Mon fils. Il faut procéder à des examens plus approfondis à Paris. N'importe quoi. Excusez-moi, vous avez le wifi ici? Internet? Faudrait mieux aller voir un quimboiseur. Un quimbois quoi? Faut quand même. Un sorcier. Attends, tu veux me faire voir qu'il y a encore des gens qui font ça? France Croatie, Lignan, tu m'as fait vibrer. Mais ça va pas, non? Mais merde! Vous commencez tous à m'emmerder. Alice, on y va. Qui t'es tenté, Alice? Pourquoi tu vas déguiser, toi? Déguisé! Ça fait 30 ans qu'on t'a pas vu et tu veux tout contrôler. T'as pas compris? C'est le blackout! C'est carnaval! Carnaval, attends 3 jours par an pour vivre. Ça veut dire quoi, ça? T'es qui pour me donner des leçons, Patrick? Tu vis dans tes costumes, mais en dessous, tu seras toujours un nègre. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort, s'il vous plaît? Putain, il est blanc.